Messieurs et dames, bel bonjour. Nous comptons retrouver les autres mais pour une nouvelle saison à Parole la vie. Nous savons que c'est qu'à attendre ça. C'est vrai que ça a fait depuis le mois de juillet pour la dernière émission là. Nous pas te voir. Donc nous sommes en vacances comme tout le monde. Donc allez, nous décider, nous reprendre saison là de plus belle. Et puis Olivier. Et puis qui a continué saison là et puis nous bien entendu. Eh bien, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Bien entendu. Donc voilà, nous savons qu'elles ont réclamé émission là, donc nous de retour. Et aujourd'hui là, eh bien, nous allons parler d'un thème qui manque à quoi que tiennent à cœur, c'est la différence de salaire dans le couple. Il y a des hommes qui sont frustrés parce qu'ils font maillot qui a gagné plus l'argent, ils ont plus gros salaire qu'ils ont. Et il y a aussi des madames qui sont frustrées qui ont pensé qu'elles ont équipé contribuer à plus au sein de foyer là et des fois ça crée des frustrations. Il y a ça qui a senti diminuer et puis il y a des hommes qui a pensé que pour eux sont perte de virilité. Donc nous allons rappeler les autres que comme d'habitude l'émission là en direct donc vous pouvez crier nous pour bon nous avis à autres. Est-ce que les autres vivent bien comme ça qui ça autres qui a pensé dit ça. Donc c'est de ça nous allons parler aujourd'hui là après-midi là à dans Parole la vie. Donc on va présenter les autres à Parole Olivier que les autres toutes connaissent. Nous avons invité qui avait nous pour la première fois Catherine. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Catherine Lexé. Voilà, merci. Donc, c'est la première fois de Catherine. Donc, tout de suite, pour lancer le débat, nous allons passer au micro-trottoir. La différence des salaires dans un couple peut-elle être source de conflit? Oui. Étant donné que, par exemple, si c'est l'homme qui travaille, la femme... peut ne pas travailler, mais ça dépend dans quelles conditions, avec son mari, comment ils s'entendent, comment ils s'arrangent. Mais si c'est le contraire, par exemple, une femme qui perd son travail, c'est plus difficile à un homme de perdre son travail pour gérer la situation de la famille. Tandis que les femmes, ce sont des femmes de bout de joke, même si elles n'ont pas beaucoup d'argent pour s'occuper du moins de la famille, du couple et tout, elles arrivent quand même à s'en sortir parce qu'elles ont confiance en Dieu. Et d'une femme à une femme, par rapport à leur mère et leur éducation qu'elles ont eue, elles savent que chaque problème a une solution et il faut trouver le bon moment pour régler cette solution et ce problème. Ça ne devrait pas, si on réfléchit, si on est intelligent et que l'on partage les tâches et que l'on est moderne dans sa vision des choses. Mais je remarque dans le contexte de l'île, de la Martinique, c'est une chose qui est assez... c'est une question très préoccupante. On regarde des familles plutôt unifocales, matriarcales et des hommes qui gravitent autour de ces cellules. J'avoue que c'est une question qui est préoccupante et qui peut être source, je pense, de tensions et peut-être de violence pour certains. Ah oui, il y a des hommes qui peuvent accepter comme il y a des hommes qui ne peuvent pas accepter. Et dans votre cas? Dans mon cas, vu qu'il n'est pas avec moi, donc ça va. Ça dépend. Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres encore... non, ça peut être source, oui et non. Si on est large d'esprit, on peut comprendre les choses. Oui, ça peut y aller. Bon, celui-là paie l'électricité, on arrive à chaque personne arrive à prendre part à parts égales de ce qu'il y a à faire dans la maison et puis faire des économies ensemble pour pouvoir voyager, tout ça. Ça ne crée pas de problème, mais si d'un côté, la personne garde son argent pour faire ses affaires et l'autre garde son argent... En revenant, 20 secondes. Ça crée parce qu'on dit, ah oui, il y a ça à payer, c'est toujours moi à payer, lui ne paye pas celui. Ça, à ce moment-là, ça crée des problèmes, quoi. L'homme ne veut pas que la femme touche plus. La femme ne veut pas que l'homme touche plus. De retour sur le plateau, merci à l'équipe pour le micro-trottoir. Donc Catherine, on a eu essentiellement des avis féminins.
et qui ont l'air effectivement de dire de bien comprendre la situation et de se dire que voilà, les femmes assument un peu plus que les hommes, etc. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile d'accepter par une femme d'être moins bien payée que son mari? Est-ce que c'est plus, la femme a plus tendance à faire face à ça? Moi, je trouve que c'est plus facile dans la mesure qu'une femme, c'est une chef d'entreprise. Donc, elle sait gérer, elle peut contribuer plus facilement à ce manque de salaire par rapport à sa gestion. L'homme, c'est plus difficile. Un homme qui a un salaire plus élevé qu'une femme fera sentir à tous les coups à la femme que c'est moi qui paie ci, c'est moi qui paie ça. Et c'est là où les conflits vont commencer. C'est vrai qu'il va se sentir diminué si la femme gagne plus par rapport à, comme on dit, l'égocentrisme de l'homme, mais c'est vrai qu'une femme qui a un salaire l'homme qui a le salaire plus élevé que la femme pourra faire face parce qu'elle sait gérer. C'est une bonne gestionnaire. Olivier. Ouais, moi, je réduirais pas les choses aussi, comme vient de dire madame. Moi, je pense que l'homme quand même, surtout en Martinique, après, je sais pas, peut-être aussi en Guadeloupe, peut-être dans les îles, je trouve qu'en tant qu'homme, on subit quand même une pression sociale et sociétale, plus que la femme. Ah bon? Bien sûr, Girti. Quand par exemple tu te mets en couple, tu te maries, etc., l'expression consacrée, c'est mettre un femme en caille. J'ai jamais entendu mettre un homme en caille. En tous les cas, si. Mais si c'est le cas, c'est plus mal vu, oui ou non? Oui, c'est mal vu. Bon. Hein, donc, par conséquent, ça induit, quand on dit mettez un femme en caille, ça induit que l'homme, effectivement, chef de famille, l'homme. Au départ, souvent, les femmes ne travaillaient pas. C'est l'homme qui partait travailler qui ramenait l'argent. Aujourd'hui, certes, les femmes travaillent, c'est vrai, elles prennent leurs responsabilités, c'est bien, tant mieux. Je ne suis pas contre, mais c'est vrai que, partant de ce principe, l'homme subit une pression. Quand on a cette pression, il faut rapporter suffisamment d'argent, n'est-ce pas, pour s'occuper à la fois de son foyer, de sa femme, de ses enfants, etc. Bon, moi, je dis que ça peut marcher, oui. Encore faut-il justement que l'on se mette d'accord dans le couple. Et puis que madame ne fasse pas monsieur sentir que bon ben tu gagnes moins d'argent, tu pourrais faire ça, mais tu ne peux pas, c'est moi qui le fais. Bon, tu vois, il faut quand même aussi communiquer beaucoup. Mais je dis que c'est beaucoup plus dur pour nous. En tout cas, de percevoir moins que son épouse ou que sa femme. C'est beaucoup plus dur pour l'homme. Donc c'est... Si, je trouve. Si. Donc, s'il n'y a pas... Mais, enfin, donc, que... tout dépend normalement de l'entente, de la relation, de ce qu'on a défini dans le... Mais quand bien même, si tu veux, quand bien même dans le couple, on se serait amené à communiquer, à parler, je pense que... on accepterait, mais au plus profond de nous, en fait, c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre. Pourquoi? Parce que, bon, une chose simple, hein, mesdames, bon, vous n'allez pas me dire le contraire. Vous discutez avec quelqu'un, vous êtes célibataire, vous discutez avec quelqu'un, la personne vous plaît, la personne vous invite au restaurant la première fois, c'est pas la femme qui va payer. C'est pas galant non plus. Si c'est pas elle qui est invitée, vous voyez que ça. Enfin, je veux dire que pour faire tout ça, il faut avoir les moyens. Et de ça, en fait, découle tout un comportement, toute une réflexion après. L'homme se doit de certaines choses, l'homme doit avoir un comportement et du salaire de l'homme et de la femme, bon ben. Tout ça, c'est un parti. Je classe ça dans le même panier. Hein. Ok. Donc en fait, il y a eu pas mal d'études dessus. Donc quand j'ai fait mes petites recherches, et en fait, on parle depuis le code de Napoléon de 1804.
ça remonte à loin. On dit que le code de Napoléon de 1804 consacre l'incapacité juridique de la femme mariée. Donc à l'époque, la femme considérée comme mineure et entièrement sous la tutelle de ses parents, puis de son époux. Pour travailler, elle a besoin de l'autorisation écrite de son mari. Donc on sent franchement qu'à une certaine époque, voilà. Le 13 juillet 1965, le régime matrimonial de 1804 est réformé. Les femmes peuvent désormais exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. Donc là, je pense que là, les frustrations, je pense, depuis là, ont commencé à se faire ressentir. Et en fait, en 2011, l'INSEE publie une étude réalisée sur les écarts de revenus au sein des couples. Et en fait, au fur et à mesure que les années passent, donc au début, on remarquait que 3 femmes en couple sur 4 gagnent moins que leur conjoint. Donc à l'époque, on disait qu'en moyenne, les femmes contribuent à hauteur de 36% aux revenus du couple. Donc, dans un article de 2014, on constate en fait que ça a un peu évolué. On dit que les femmes gagnent en moyenne 42%, en fait, pas évolué. L'écart se fait ressentir de plus en plus entre les salaires, effectivement, qu'on accorde aux hommes par rapport aux salaires qu'on accorde aux femmes, parce qu'il y a aussi le problème de l'inégalité des salaires hommes-femmes qui rentre en jeu. Oui, on dit que 42% des femmes gagnent moins que leur conjoint. Donc là encore, il y a effectivement des éléments effectivement de société qui peuvent effectivement expliquer certaines situations dans le couple. Et il paraît qu'aujourd'hui que le nombre tend à s'augmenter, sachant que maintenant effectivement les femmes sont appelées à avoir des postes à responsabilité. Donc ma femme gagne plus que moi, est-ce que frustrant pour le couple ou pas? Et il y a certains hommes qui sont tentés à répondre oui, c'est frustrant parce qu'ils ont l'impression effectivement de perdre la partie, celui qui porte le pantalon, etc. Mais je pense aussi que vous, les femmes, vous avez une part de responsabilité aussi dans cette frustration. Non, parce que inconsciemment, il y a tout un comportement, une réflexion qui découle de ça, et même du point de vue de la femme. Mm-hmm. C'est-à-dire que en tant qu'homme, tu te dois de certaines choses. Mm-hmm. Tu te dois de prendre certaines responsabilités, tu te dois de prendre certaines choses en charge, etc. Donc, même si la femme peut ne pas le dire, mais inconsciemment, elle peut avoir un comportement qui fait sentir que, il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Je ne pense pas mentir en disant que quand dans un couple, un homme perd son emploi, ça va passer beaucoup moins bien que si c'est la femme qui perd. Ce sera plus accepté, tandis que quand c'est l'homme qui ne travaille pas ou a moins d'argent, la femme au bout d'un moment va le lui faire sentir qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités ou qu'il fasse un moyen pour amener plus d'argent dans le foyer. Catherine, vous pensez que... Je pense que ça dépendra du comportement de l'homme, parce que ça ne veut pas dire parce qu'il ne travaille pas, mais s'il ne contribue pas du tout au foyer par ses aides, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne ramène pas de l'argent, qu'il n'est pas utile dans le foyer, mais s'il ne travaille pas et puis il a un comportement où il est assis dans le fauteuil, monsieur ne fait rien, la femme va réagir. Mais moi, je pense que... Moi, je dis que, je ne sais pas, moi, il faut faire des concessions dès le départ. Dès le départ, quand on entre en couple, on se dit, bon, il y a des choses à payer, la femme, moi, je vais payer ça, toi, tu vas payer ça. Sachant que lui, il a moins de salaire que moi, il va prendre en charge certaines choses. Là, on parle de ça. Mais si je vois qu'au fur et à mesure que les choses avancent et puis que c'est moi qui ramasse tout ce que lui devait assumer, le comportement va changer. Mais je pense que les femmes, c'est vrai qu'une femme qui touche plus qu'un homme, déjà les femmes sont déjà plus indépendantes. C'est vrai que par rapport à la vie qu'on a maintenant, les femmes se retrouvent de plus en plus seules. Donc elles sont indépendantes, elles sont... Je dis, moi, des chefs d'entreprise, parce que pour pouvoir gérer la vie professionnelle, les enfants, les problèmes de ci, de là, je pense que... Et il y a beaucoup plus de femmes. Il y a beaucoup plus de femmes dans des postes à responsabilité. Donc, ce qui fait que gérer la vie professionnelle, la vie active, parce qu'il y a des femmes qui sont présidentes d'associations et qui se retrouvent à des postes de responsabilité. Moi, je pense que les femmes sont plus à même à gérer ce genre de... Même s'ils ont moins de salaire, ça ne se fait pas sentir.
Un homme, si c'est l'homme qui a le plus de salaire, systématiquement, il le fait sentir dans son foyer. Olivier, t'as pas l'air Ah oui, je suis pas d'accord. Parce que... est-ce qu'il y a un petit côté aussi, c'est l'homme anti, un petit côté macho oui, qui macho. Permet de ne pas avoir cette ouverture d'esprit, de se dire, bon, ben voilà, c'est... Voilà. Parce que systématiquement, pour le moment, je gagne pas beaucoup, systématiquement, mais ça viendra... il va dire, éteins la lumière, tu sors de la cuisine, éteins la lumière, parce que c'est moi qui paie la lumière. Ça, c'est des réflexions qu'on mais, va... Non, mais moi, je dis que là c'est pas l'homme ou la femme, c'est celui qui va gagner le plus va faire cette pression-là. Je pense pas. Une femme, c'est pas... Non, je pense pas. Alors moi, je pense que la pression viendra peut-être beaucoup plus de la femme que de l'homme. Mmh. Parce que ce schéma-là, c'est le schéma le plus fréquent. Enfin, jusqu'à maintenant, comme on l'a dit, même par rapport à toutes les différences de salaire qui continuent à exister, le schéma le plus fréquent, c'est quand même que l'homme gagne plus que la femme dans le foyer. Donc, et pourtant, ça marche. Mais... le schéma inverse est plus rare et, à mon sens, plus chaotique quand c'est la femme qui gagne moins. Je trouve que les femmes, vous faites ressentir ça plus que... L'homme va naturellement prendre plus de responsabilités. Et même quand il gagne moins, il cherche peut-être peut-être par orgueil, hein. Mm-hmm. Il va pécher par orgueil. Et même quand il gagne moins, il va chercher à faire ci, à faire ça, à prendre plus de responsabilités. Parce que je suis l'homme du foyer, je suis l'homme, etc. Enfin, pour l'homme qui prend ses responsabilités. Entre guillemets, le père de famille, tu vois. On parlait de ça à une émission précédente. Effectivement, l'image du père de famille, ça, c'est quelque chose qui a la peau dure aux Antilles, quand même. Hein. Mm-hmm. En fait, quand elle est respectée. Exactement. Quand elle est respectée. Oui, tout à fait. Parce qu'on connaît un peu la position de certains hommes qui sont censés être des pères de famille. Oui, nous sommes d'accord. Non, mais donc, si on écoute ta pensée, c'est vrai que si tu rejoins cette partie des hommes qui, pour eux, c'est comme perdre leur virilité de gagner moins qu'une femme. Ben, si tu veux... Je dirais pas jusqu'à là, quand même, hein, perdre sa virilité. Mais c'est vrai qu'en quelque part, après, tu sais, si on gagne moins que sa femme et que malgré tout, on a un salaire qui nous permet de fonctionner et de faire un certain nombre de choses dans le foyer. Là, ça passe. Là, je pense que ça peut passer. Mais si on gagne moins que sa femme et que l'on est juste. On n'arrive pas à faire certaines choses. Si on est sous un loyer, facture, etc., et qu'on n'arrive pas à honorer ses factures, ou besoin d'un travail, ou l'acheter un petit loto, bon, faire un petit prêt à côté, etc., c'est vrai que ce sont des choses qui peuvent vite frustrer quelqu'un, et de si ou quoi un homme. Vous comprenez, tu comprends. Ça vient de deux côtés. Hein. Ça vient des deux côtés, parce que la femme aussi, si elle ne gagne pas beaucoup... Non, nous sommes d'accord, mais la frustration sera plus mal vécue, je pense, du côté de l'homme. Oui. Mais sachant que les femmes aussi sont de plus en plus indépendantes de nos jours, c'est vrai que des fois, être dans un foyer où c'est la femme, effectivement, qui gagne le moins, comme ça arrive dans beaucoup de foyers, c'est vrai que malgré l'image qu'on attribue à la femme, de la femme joke, la femme doubout, machin, etc., c'est vrai qu'elle va se dire, bon, ben voilà, je vais prendre en charge ça, mais peut-être que... il y aura aussi, s'il y a pas une certaine relation, une petite gêne de dire « bon chéri, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux… » voilà quoi, donc ou bien arriver à la caisse qui paie les courses. Est-ce que automatiquement on se regarde, on se pose la question, la caissière est en train de vous regarder, ou bien est-ce que ça se décide d'avance, bon, cette fois-ci tu paies ou machin, ou bien on fait moitié-moitié, qu'est-ce qui se passe, machin, etc. Et c'est vrai que des fois on assiste quand même à des petites hésitations, en fait, quand on va faire les courses, on observe quelques couples, on sent bien qu'arriver à la caisse, il y a une gêne dans quelque part. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'on assiste à certaines femmes les bras croisés, et puis elles regardent le mari du style, voilà, tu peux sortir la carte. Mais il y a... moi, j'ai assisté à une scène dernièrement où c'est un couple...
comme on dit, entre guillemets, domino et quick qui est arrivé à la caisse et tout. Et le gars qui l'arrivait, mais au fur et à mesure, bon, j'ai oublié quelque chose, il va. Et en fait, au moment où le tapis passe, et il regarde sa compagne. C'est un jeune couple. Mais on sentait que la fille, quelque part, on avait l'impression qu'elle avait... Voilà, c'est-à-dire que, en fait, tu disais sur son visage, ouais, mais bon, comme si ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Et elle la regardait d'une manière, et enfin, voilà, on n'est pas curieux, mais bon, on est dans la file d'attente, on regarde le tapis, on voit qu'il y a beaucoup plus de choses qui concernent le monsieur en question que la femme, et on sent que, voilà, donc après... Voilà, donc tu sens les petits minots, chérie, tu sens les petits minots, parce que toi-même, tu vis un couple, donc c'est vrai qu'on peut observer ça, effectivement, dans la vie de tous les jours. Donc voilà, j'ai eu quand même quelques avis via les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, etc. Donc, j'ai eu quelques-uns. Donc, le premier avis que j'ai reçu, que j'ai trouvé très intéressant, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est de Steve. Alors, il me dit « Je n'ai pas de recette miracle. Je ne pense pas qu'il y en ait à part le dialogue lorsque le couple vient à s'installer ensemble. Pour ma part, ma femme et moi avons décidé de garder nos comptes personnels, mais d'ouvrir tous les frais liés à la famille, pour couvrir tous les frais liés à la famille. À côté, chacun prend des dépenses à son compte en fonction des besoins. Donc, ma femme garde un œil sur les dépenses à venir et m'avertit lorsque les taxes et les impôts arrivent afin de me préparer. Donc, on sent que déjà, il y a une certaine organisation. Alors, il est bon que celui qui soit plus administratif et plus raisonnable garde un œil et fasse les comptes. Je pense que ça, c'est plus le devoir de la femme. Oui, souvent, c'est vrai. Ça dépend. Non, mais ça corrobore ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que la femme est plus chef d'entreprise. Voilà. La gestion, c'est vrai que... Moi, je sais que c'est vrai que vous penchez plus facilement sur la paperasse que nous. Ça franchement, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez contre la paperasse, mais il va être basote, hein, franchement. Alors, il n'y a pas une seule formule, mais une chose est sûre, on arrive dans le couple avec à l'argent différent, des histoires et des craintes différentes qu'il faut harmoniser à tout prix. Sinon, cela peut peser sur la relation et causer sa perte. Donc, c'est vrai qu'effectivement, on a eu beaucoup de cas, où effectivement que le problème financier était l'un des plus gros problèmes dans un couple. Mais lorsque l'on suit les réunions de préparation au mariage, c'est un des thèmes évoqués. Oui. L'argent dans le couple. L'argent dans le couple, c'est vrai. Donc, si c'est un problème évoqué, je pense que ce n'est pas anodin. Et on dit que c'est l'une des causes principales de séparation. Lorsque les baisses de revenus arrivent dans les couples à cause de périodes de chômage, de maladie, de manque de clients, etc., il est bon d'en parler afin d'ajuster et surtout éviter de blâmer celui qui n'a plus les mêmes rentrées d'argent. Sauf s'il ne réduit pas son train de vie et met les finances de la famille en danger. Donc, c'est vrai qu'effectivement, moi, j'ai une amie qui me disait qu'avec son compagnon, effectivement, ils avaient gagné tous les deux leur vie. Effectivement, le compagnon un peu plus et qui s'était habitué à un certain train de vie et qui, du jour au lendemain, effectivement, le salaire a diminué. Mmh. Et en fait, il a continué à garder le même train de vie. Et ce qui fait qu'ils ont eu vraiment beaucoup de problèmes. Donc, c'est vrai que les gens, j'ai reçu pas mal de messages où les personnes, on sent vraiment que c'est un sujet qui tient à cœur. Et en fait, Steve termine en disant qu'il ne parle même pas des économies, les investissements, les projets immobiliers, les comptes pour les enfants à ouvrir depuis la naissance avec versement mensuel, etc. Donc, voilà, c'est vrai que lui, effectivement, il a plus abordé le sujet d'un point de vue relationnel, la relation qui entre le couple, ce qui est ce qu'on met sur table dès le départ, quoi. Donc, est-ce que ce ne serait pas la bonne solution, Catherine? Dès le départ, il faut le mettre sur table. Mais c'est vrai que quand on se marie, bon, on se dit, bon, ben, moi, je prends les courses, je vais faire l'eau, l'électricité, tout ça. Le téléphone, parce que, bon, moi, je préfère gérer le téléphone, sachant que quand j'aurai le téléphone, tu ne vas pas me dire de déposer parce que je prends le tour. C'est toi qui payes. Parce que ça aussi, c'est les petites remarques comme ça. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le couple, si on n'a pas fait ça dès le départ, ça va foirer à tous les coups.
Ça va foirer à tous les coups, parce que si on a quelqu'un qui aime dépenser, qui n'arrive pas à gérer, eh bien, systématiquement, au bout d'un moment, surtout s'il y a le loyer, il y a tout ça à payer, eh bien, il y aura des problèmes. Sûr et certain. Ok. Olivier, est-ce que ça, la relation change, surtout dans, enfin, quand on reste quand même dans le domaine des finances, est-ce que ça change à l'arrivée des enfants? Est-ce que là encore, c'est une organisation? Oui. Parce que... C'est une organisation parce que, d'un point de vue financier, même si on a des aides de l'État, il faut quand même arriver à faire face à l'arrivée d'un bébé. Donc préparer l'arrivée du bébé, il y a quand même des achats à faire, la chambre à préparer, berceau à faire, exactement, des aménagements à faire, si ce n'est pas fait. Est-ce que là, il y a la répartition, parce que c'est quand même, on est deux à le faire. Bien sûr, donc, bien sûr. Est-ce que c'est une répartition? Est-ce que toi, tu achètes ça, moi, j'achète ça, ça, machin, etc.? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On répartit les dépenses, bon, même si, effectivement, maman peut dire, bon, ben, écoute, j'ai eu ça, est-ce qu'on l'utilise ou est-ce qu'on... Ça aussi, on en discute. Bon, j'ai eu des aides, est-ce qu'on met sur le compte de l'enfant, on n'y touche pas et on prend en charge toutes les dépenses? Ou si c'est un peu difficile au moment, ou est-ce qu'on puise dedans et après on peut remettre... Donc, mais c'est vrai que ce sont quand même des dépenses qui peuvent être lourdes si la maison n'est pas aménagée, s'il faut vraiment aménager une chambre pour l'enfant, lui préparer sa chambre. Mine de rien, ce sont des petites dépenses qui, au fur et à mesure, peuvent monter. Et à mon avis, là, le choix le plus judicieux, c'est quand même de séparer les dépenses. Ça, c'est clair. D'accord. Et quand il s'agit d'investissement... Qui peut aussi engendrer pas mal de choses derrière. Parce qu'en ce moment, j'accompagne un couple que j'ai marié il y a un an de ça. Le monsieur se retrouve en chômage là brutalement, et ben là ils ont du mal à gérer le loyer et tout ça, et ils ont deux enfants. Quand ils se sont mariés, ils avaient déjà un, il y a un deuxième qui est arrivé, c'est le monsieur seulement qui travaillait. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut engendrer pas mal de choses, parce que sous le stress et tout ça, ils arrivent, bon, si à la fin du mois ils n'arrivent pas à la fin du mois pour pouvoir payer tout ce qu'ils ont à payer, et ben là il y a un stress qui s'installe, et c'est là que ça commence à mettre le couple en péril. C'est sûr. Est-ce que c'est quelque chose, comme tu dis, tu as eu effectivement le débat lors de la... En fait, le thème qui a été évoqué lors de la préparation au mariage. Mm-hmm. Est-ce qu'en dehors de ces structures, parce que c'est pas toutes les confessions religieuses qui passent par la préparation, est-ce que c'est quelque chose où je pense qu'il faut avertir, ne serait-ce que les parents qui sont passés par là, etc. On se dit, tiens, voilà, il y a un jeune qui machin, on va se marier. Est-ce qu'aussi, il n'y a pas aussi ce côté de l'apprentissage, des conseils des aînés envers les jeunes et de se dire, ben, on est à l'abri de rien et que du jour au lendemain, voilà ce qui peut arriver et il faut savoir y faire face. Est-ce qu'il manque quelque part aussi cette relation entre les aînés et les jeunes à se dire que, bon, il faut savoir faire face à ce genre de difficultés? Oui, je pense, puisqu'il y a des médiateurs. Quand ils sont un couple, ça ne va pas, il y a quand même des médiateurs qui sont là pour les aider. S'ils font appel aux médiateurs, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident hein, de faire quelqu'un... Un couple ne va pas, il va te dire pourquoi faire venir une tierce personne dans mon couple pour gérer. Mais moi, ce que j'ai... Avec ce couple-là que je vous parle en question, j'ai toujours gardé contact avec eux. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, la dame, elle m'envoie un message pour me dire ça ne va pas. Donc, je discute avec eux, ils prennent des conseils. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout de gérer cette histoire de finances. Quand il y a un problème, sûr et certain, le couple part après. Mais tu sais, c'est vrai que c'est un sujet que les parents n'abordent peut-être pas suffisamment avec les enfants qui doivent se marier ou même se mettre en couple. Hein, après, la question peut être posée de manière légère, rapide. Est-ce que vous avez prévu d'accord. Mais j'ai presque envie de te dire, Gerti, que même si on en parle, même si on prépare l'enfant qui va se marier ou s'installer, même si on prépare tout ça, même si on aborde ça en réunion de mariage, on nous met en garde pourtant, Mais malgré tout, le vivre, c'est autre chose. C'est vrai que quand on est dans le cas, quand on en discute, quand on doit faire face à ce genre de choses-là,
C'est vrai qu'on pense à tout ce qu'on a évoqué lors des réunions, mais y faire face soi-même et gérer la situation au moment, c'est vrai que ce sont des choses qui sont pas évidentes. Surtout quand ça arrive du jour au lendemain, on se rend. Ça arrive du jour au lendemain. Et puis ça peut être quoi, n'importe quelle cause en fait. Et puis, tu sais, la difficulté, c'est surtout quand on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Quand on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, et puis quand on a un rapport à l'argent différent. Là, ça bloque vraiment. Là, ça bloque vraiment. Et c'est vrai que même moi, dans mon club, j'ai eu affaire à des situations quand même assez difficiles. Quant à l'argent, c'est vrai qu'au début, c'était pas si évident que ça. Après, c'est vrai qu'on devient plus mûr, etc. On devient plus sage, on discute de manière plus ouverte. Et les choses rentrent dans l'ordre. Au tout début, on est peut-être un petit peu ferme, on est moins ouvert à la proposition de l'autre, on campe plus sur ses positions, on veut se faire entendre sans pour autant entendre l'autre. Mm-hmm. Tu vois ? Mais moi, je dis qu'il faut effectivement mettre un petit peu d'eau dans son vin et accepter un petit peu plus ce que l'autre peut proposer. Ne pas avoir honte de parler, surtout. Ne pas avoir honte de dire à l'autre que ça ne va pas, j'ai le banquier qui m'a appelé et il ne faut surtout pas avoir honte de le dire. Parce que c'est vrai qu'on le vit, on se renferme sur soi-même, on ne dit pas à l'autre le problème et c'est de là où ça part, tout se dégrade. Mais justement, pour nous, l'homme, pour nous, les hommes, ce sera un exercice plus difficile. Oui. Enfin, difficile. Oui, mais est-ce qu'on ne vous cadrez pas aussi dans un... Vous ne mettez pas dans un cadre que on est des hommes, on doit, c'est notre devoir, etc. Exactement. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu sortir mais dans ce cadre? Mais la société nous l'impose, même vis-à-vis de nos parents ou même de nos beaux-parents. Ou point y chemin, ou mettez y en caille, ou pas ça, et prends soin, ou pas ça, tu peux dire. C'est comme ça que l'on pense, tu. Je sais pas. C'est là où tu parles de pression, effectivement. Mais exactement. Oui, exactement. Moi, j'ai reçu une autre éducation qui ma maman me disait tout le temps, une expression, pas content les canaris belle mère, toujours débrouillé comme tout seul. Et là, j'ai appris à fonctionner comme ça. Et même en couple, des fois, j'oubliais qu'il fallait que je m'adresse à mon mari pour lui dire il faut faire telle chose. Je faisais. Donc, c'est pour ça que je dis que cette difficulté-là, je ne peux pas dire que ça va m'affaiblir. Ça ne va pas m'affaiblir. Au contraire, parce que j'ai l'habitude de fonctionner. Donc, je vais continuer à fonctionner. Avec le très peu de moyens, mais je vais fonctionner quand même. Avec les difficultés. Et c'est vrai que tu arrives à enseigner à tes enfants. Voilà, pour leur dire de ne jamais compter sur les autres, de fonctionner comme vous. Et mes enfants arrivent à le faire. Elles arrivent à le faire. Il faut, j'ai deux filles, je leur dis tout le temps, faut, même si vous êtes en couple, n'attendez pas qu'on vous emmène à manger. Toujours chercher à aller trouver à manger. Et c'est comme ça. Moi, je pense que quand on fait face, c'est vrai qu'on va se dire, c'est... un côté où... Mais quand on fait face quand même à ce genre de problème, moi, je ne vais pas me laisser abattre comme quelqu'un qui a l'habitude de s'asseoir et puis d'attendre. Non. On a un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, on vous entend. Oui, allez-y. D'accord. Bonsoir. Je trouve très intéressant votre émission. Merci. Parce que je viens de sortir au travail, j'ai zappé, comme on dit, et puis je tombe sur vous. Et c'est pour vous dire que vous avez parlé de couple. Je suis restée 40 ans mariée. Mon mari, il est décédé il n'y a pas longtemps. Oui. Et bien, nous avons toujours fonctionné comme ça. Je suis mariée très jeune, hein. Moitié-moitié. On va faire les courses, on dit bon, je dis bon, on y va. En fait, je faisais tout à deux. Les enfants, j'en ai eu trois. Oui. J'en ai trois. Et bien, même pour les anniversaires des petits-enfants, on partage. S'il y a 100 euros à donner, c'était comme ça. Il est mort, on a fait comme ça, jusqu'à la mort. Nous avons fait comme ça. Et j'ai mon fils, il vit pour l'instant avec moi, il travaille. Mm-hmm. Et bien, au départ, je lui ai dit, écoute, si tu gagnes 1000 euros, sache que 200 euros ne t'appartient pas. Ah. Alors débrouille-toi avec tes 800 euros, mais les 200 euros, c'est pas à toi.
Eh bien, je vous avoue, monsieur, messieurs, dames, eh bien, il me dit, maman, je crois le, je peux pas te dire merci, maman, parce que je vois effectivement ce que tu me dis, je réalise mes rêves. Eh bien, dis donc. Ah oui, ah oui. Et il y avait une grande différence de salaire. Vous avez parlé de béni, enfin, des coupes pour l'argent. Eh bien, je vous avoue que je suis à domicile un peu partout, oui. Mais... tu entends, il y a des jeunes mamans qui disent « Ah non, là, j'ai pas fait pour serrer. » Et puis après, ces mêmes personnes-là ont des difficultés financières. Alors, quelquefois, des moments, on dépense un peu trop. On ne pense pas qu'il y a les factures, il y a tout ça. Je sais que la vie est dure, mais il y a des moments, il faut que nous aussi, nous faisons des économies pour pouvoir gérer aussi le compte. Il y a ça aussi. Mais oui. Et bien voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et qu'est-ce que tu penses des hommes qui se sentent frustrés parce que leurs femmes gagnent plus d'argent qu'eux? Ah, moi, je suis auxiliaire de vie, j'ai jamais gagné beaucoup d'argent, mais on gérait. Ah d'accord, donc d'accord. Tu gérais. Merci, hein. Et madame, oui. Si monsieur gagnait moins que vous, est-ce que vous pensez que ça lui aurait fait quelque chose? Eh bien, laissez-moi vous dire. Oui. Mon mari a eu un petit chômage de peut-être une année. Mm-hmm. Et puis, ce qu'il touchait, là, c'est dit que c'était un petit peu plus bas. Quand il a vu que mon salaire était un peu plus haut, il m'a dit, comment ça fait-il qu'une femme gagne plus que moi? J'ai eu ce petit accord-là, effectivement. D'accord. Oui, oui, oui. Dans le groupe, je vous dis 40 ans de mariage, c'est pas 40 jours. Hein. Alors, on a eu des hauts, des bas, de tout, on a tout vu. Mais vous avez tenu. Oui, je vous avoue que, non, je ne sais pas, j'ai 61 ans. Mm-hmm. Cette année-là, eh bien, oui, j'ai tenu. Oui, je suis, monsieur, dame, je suis contente de moi-même de voir que je suis mariée très, très jeune, mm-hmm. et qu'on n'a pas, comment on dit ça, la famille n'a pas misé, comme on dit, sur notre couple, parce que j'étais jeune. On dit, eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'éducation que toi, tu reçois aussi, je pense que ça te fortifie aussi. Tout à fait. Donc, oui. Monsieur, très bien. En plus, ça s'entend oui. sur ta voix, hein, que tu es une femme très heureuse. Oui, 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 oui. Merci. Hein? C'est moi qui te remercie. On te remercie de contribuer, vous êtes de participer. Belle, madame, en plus, hein? Merci beaucoup. Merci. À bientôt, j'espère. Est-ce que nous avons un autre appel? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça passe? Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, allez-y. Bonsoir. Allez-y, on vous entend. Allô? Oui, on vous entend, madame, allez-y. D'accord, donc j'appelle parce qu'en fait, je voudrais faire un témoignage. Oui. Alors, je viens d'entendre votre émission. En fait, j'ai pensé à appeler parce qu'en fait, je suis dans le cas où mon époux gagne beaucoup moins que moi. Et le problème, c'est qu'effectivement, même si on est marié, on sent la différence, c'est-à-dire que de temps en temps, j'essaie de ne pas le mettre à la l'aise. Oui. Mais on sent quand même la petite gêne. C'est-à-dire qu'effectivement, je prends en charge tout ce qui est étude des enfants, puisqu'il y a moins de revenus. Mais de temps en temps, quand on discute, on sent qu'il est gêné. Mm-hmm. Donc on a beau dire effectivement que normalement, si on suit le cadre de la vie courante, que l'homme est censé avoir plus d'argent que la femme, maintenant, vous avez dit maintenant... Ça change beaucoup. Des femmes peuvent avoir des postes à responsabilité. Bon, on sent la... Et vous en discutez ensemble? Oui. Et même quand vous lui dites que c'est pas, il faut pas qu'il s'inquiète, il y a quand même cette gêne. Ah bien oui. C'est-à-dire c'est celui qui va vous dire par exemple, effectivement, il va essayer de chercher un job pour avoir le même niveau de salaire. D'accord. Mais effectivement, on a beau dire, l'homme est gêné parce que la femme touche un peu plus. D'accord. Et vous, ça, vous êtes à l'aise avec ça, que, enfin, pour vous, il n'y a pas de problème, c'est votre mari, c'est voilà. En fait, c'est... moi, je ne regarde pas en fait qui est-ce qui a le plus de salaire ou autre. Moi, je me dis, on est mariés. S'il faut payer, je sais pas moi, par exemple, la taxe foncière, je paierai la taxe foncière. J'attendrai pas sur lui pour payer la taxe foncière. Voilà. Effectivement, lui, il va voir qu'il y a la taxe d'habitation qui vient d'arriver, c'est un petit peu moins. Ailleurs, il va payer. Mm-hmm. Mais on sent la différence. D'accord. On sent bien qu'il y a un gêne de l'homme en quelque part. Et la première fois qu'il vous a fait part de cette gêne, vous avez compris ou bien vous étiez surprise? En fait, ils vont pas le dire directement. Hein.
Ah d'accord. Mais vous allez le remarquer. Allô? Allô? Oui, allez-y. Je vous entends plus en fait. Enfin, allez-y, je vous laisse. Allez-y. Non, je disais qu'effectivement, même si ils ne le disent pas directement, mais ça se sent en fait. Ça se sent, ne serait-ce qu'au niveau de la famille. Oui, mais voilà. Tout à l'heure, le monsieur a parlé au niveau de la famille qui disait qu'effectivement, où est puis moi, on passe à soin. Eh bien, effectivement, il a tout à fait raison. Mais maintenant, je me mets à la place de sa famille. Bien au contraire, je n'entends pas cette réflexion. Là, d'accord. Donc, c'est plus quoi la réflexion, en fait? C'est plus du côté de... Est-ce qu'il craint aussi les réflexions du côté de votre famille? Est-ce qu'il craint, en fait, le regard extérieur, en fait, peut-être, non? C'est vrai que, vous savez, même dans la famille, hein, vous savez, les gens sont des fois, je ne veux pas dire de mauvaise langue, maladroit. Des fois, vous allez entendre des réflexions. Ah oui, madame Mouni, l'agent, c'est ni qu'il lit, qui ni sac l'agent. Vous voyez, d'accord. Donc, de temps en temps, ça peut être blessant pour la personne. Voilà, c'est un manque de délicatesse, en fait, de la part de certaines voilà. personnes. Voilà. Et on va dire ça, pas dire de ma famille, même des fois, vous savez, des gens de sa famille, mais c'est souvent blessant. Moi-même, je suis gênée. Oui. Bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mais on fonctionne comme ça. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas regarder parce que j'ai plus de salaire que je vais lui dire. Par contre, j'en connais des couples. Oui. Par exemple, je prends par exemple dans mon cas professionnel où que j'ai plus d'argent que toi, tu vas payer la même chose que moi. Hein. Ah non, mais je vous riais, je vous assure. Hein. Par exemple, le mari n'est pas imposable. C'est par rapport à vos revenus. Vous êtes imposable, elle va réclamer la moitié des impôts. Ben non. Si, je vous confirme. Ok, donc voilà. Ok, ouais, c'est vrai que c'est particulier ça. C'est, en fait, il n'y a pas de concession en fait. Je pense aussi qu'il y a une histoire de génération en fait. Ok, exactement. Ouais, ça a la tête ça. Je pense qu'il y a une histoire de génération. Je pense que ce qui est la trentenaire, la quarantaine, c'est autre chose. Maintenant, ils sont beaucoup sur du 50-50. C'est pas parce que je suis la femme. Voilà. Mais maintenant, on voit bien qu'il y a un changement. Avant, les anciens, comme mes beaux-parents, pour eux, c'est l'homme qui doit tout assumer. Oui. Maintenant, c'est autre chose. Hein. Ok, d'accord. Mais malgré tout, on s'aperçoit quand même que quand la femme gagne plus d'argent que son mari ou que son conjoint, est gêné. C'est quelque chose qui traverse les âges. Tout à fait. Oui. Là, il n'y a pas de génération. Là. C'est quelque chose que l'on vit mal, quel que soit l'âge. Et je pense que dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, ce sera toujours pareil. D'accord. Ben, merci beaucoup. Ah ben, je vous remercie, il n'y a pas de souci. Merci de votre appel. Merci surtout de suivre l'émission. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Est-ce que nous avons un autre appel avant de continuer? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ah, un homme. Allô? Oui, on vous entend, allez-y. Oui, bonjour. En fait, il y a une question que je me posais, parce qu'on parle de couple, et je n'entends personne dire que tout simplement la question pourrait se résoudre avec un compte commun. Non, oui, vous pensez? Avec un compte commun, oui. Donc, il me paraît tout simplement, puisque dans la mesure, j'entends que certaines femmes disent qu'elle fait ça, qu'elle fait la frontière, certains hommes disent qu'il fait ça, alors que tout simplement, il s'agit de couple, donc de projet commun. Donc, le plus simple, c'est qu'une personne donne une part de son salaire. Donc, si c'est 10%, si c'est 20%, calcule le nombre de dépenses qui est nécessaire pour pouvoir gérer le budget familial. Et par rapport à ce montant, pour une fraction du salaire soit versée sur un compte commun. Alors, est-ce que finalement, c'est la peur que finalement ce compte commun puisse générer un endettement et qui peut se répercuter sur celui qui n'a pas finalement géré le compte? Vous serez plus pour vous pallier à ce problème, c'est un compte commun, chaque personne verse en fonction de son salaire. Pour moi, ça me paraît simple, puisque dans la mesure, il s'agit de couple. Il s'agit de couple de personnes qui ont choisi de s'unir, de s'organiser, de s'associer dans un projet de vie. Et donc, à ce moment-là, la gestion doit être commune. Donc, à partir de là, au moins une frange de leur revenu doit être gérée de façon commune. Et que non, celui-là dit, ouais, mais c'est moi qui ai payé la facture d'électricité, que c'est moi qui ai payé la taxe foncière, comme si finalement on se gargarise de faire un effort qui est un effort solidaire. D'accord. Mais monsieur. Oui. Oui, alors d'une part, c'est vrai que ça peut être une solution, je suis d'accord avec vous. Mais d'autre part, au plus profond de nous-mêmes, nous-mêmes, nous quand ils vivent ça mal.
Alors, même si... Moi, je l'ai fait. Même si on a... Je termine. Hein, même si on a le compte commun pour régler tout ce qui est facture, etc. Mais imaginez que le salaire ne vous permette pas d'y faire, madame, là, un petit surprise, d'y mener restaurant, soit d'y acheter un petit cadeau, bain, un petit bijou. Il y a tout ça aussi. Oui, mais c'est justement, c'est ça, c'est-à-dire que si, comme si, quand on met le loyer et tout ça, c'est un pourcentage du salaire, donc c'est pas forcément la totalité. Mmh. C'est un pourcentage loyer du salaire qui est fait, donc il est évident, sur le pourcentage qui est fait à la personne, elle a la possibilité de s'organiser pour pouvoir faire des achats personnels ou des achats, justement, pour faire plaisir. Donc, c'est normalement, un budget familial, normalement, on peut être géré de cette façon. Normalement, théoriquement. Oui. Et surtout, nous parlons de couple. Oui. Tout à fait, tout à fait. Normalement, puisqu'à travers ce que vous avez dit dans un premier temps, vous avez parlé de personnes qui vont, par rapport à leur profession religieuse, être suivies pour un approfondissement de l'engagement par rapport aux dépenses. Donc, normalement, c'est un projet commun. Et comme on sait, la logique même du mariage n'a qu'un but financier. Et donc, de fait, la logique financière aurait dû être mieux structurée. Et ça vous gênerait pas de gagner moins d'argent que votre femme? C'est-à-dire que moi, c'est le problème. Moi, ça ne me gêne pas. Je sais que socialement, c'est pas pareil. Il y a la différence entre le personnel et le social. C'est-à-dire que moi, la famille, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Socialement, moi, ça me posait. Parce qu'à un moment donné, j'avais le même niveau de salaire que mon épouse. Et qu'à un moment donné, j'ai eu à perdre mon salaire, mais que les parents de mon épouse ont fait sentir justement que mon salaire, que je devais me réveiller très tôt le matin pour pouvoir me donner 3 tables sur le salaire, alors qu'en fait j'étais en préparation d'un projet. Donc je allais me coucher jusqu'à 5h du matin, et parce qu'à 7h30 j'étais pas réveillé. Donc finalement on avait l'impression que j'étais en train un petit peu de j'étais un loser. Donc, ça veut dire qu'il y a la différence personnelle et la différence sociale. C'est deux choses différentes. OK. D'accord. Donc, c'est pour, c'est-à-dire que la façon que la personne peut le vivre et la façon que l'entourage le vit et le regard même de la société plus largement, c'est-à-dire comment finalement on impacte la psychologie des gens à travers le monde médiatique, on va dire ça plus largement, ce sont des événements complètement différents. Effectivement. Donc, en fait, c'est vrai que le regard des autres peut beaucoup jouer dans ça. Tout à fait. Et donc, on peut très bien être dans sa démarche extrêmement serein, mais l'autre, justement, qui est impacté par le regard des autres, finalement, c'est lui, finalement, qui peut flancher et faire l'ensemble de la relation capoter ou faiblir parce que finalement, l'analyse n'a pas été pertinente. D'accord. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que dès le départ, la chose primordiale à faire, c'est d'organiser les choses simplement pour pouvoir justement anticiper ce genre de problématiques qui vont de toute façon perdurer. Parce que à partir du moment que celui-là dit que c'est moi qui ai payé ça, qu'on arrive devant une caisse et que normalement chacun se regarde pour savoir qui est-ce qui va payer les achats qui ont été faits, alors que tout simplement, il y a un compte commun. Normalement, à l'arrivée, on plafonne les dépenses par rapport à la hauteur de l'argent qui est versé. Voilà. Comme ça, on est sûr que les dépenses ne vont pas être supérieures à ce que normalement est versé. Effectivement. Et donc, à partir de là, on arrive en tête, on donne sa carte bleue, on donne son chéquier, et puis terminé. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci, c'est moi. Merci de suivre l'émission. Allez, merci, au revoir. Au revoir. Donc, c'est vrai que les avions ont beaucoup divergé. On a eu quand même l'appel d'un homme. Oui, parce que oui. Vous avez quand même remarqué que la plupart des appels, c'est des femmes. Des femmes. Donc, c'est vrai, autant, et c'est la même chose qui revient, effectivement, au niveau de la femme. Ça ne gêne pas, mais qu'elle note quand même qu'il y a une certaine gêne au niveau des hommes. Si. Mais c'est pas évident. Oui. Faire accepter un couple, à mettre en compte en commun, c'est pas évident. On a bien vu que l'appel précédent, celui-là, même quand la femme ne met pas de pression à son mari, il le vit mal. Ouais. Et même, il le regarde même les autres. Si, mais là, bon, c'est vrai, il y a ça qui est quand même important, je l'ai dit, une pression de la société, une pression de la famille, une pression de... Mais même si on n'avait pas ça, même si on n'avait pas cette pression-là, c'est vrai que quand on se regarde dans un miroir, on a un petit peu de mal à l'accepter. On l'accepte difficilement. Après, tu sais, j'ai le cas inverse aussi. J'ai un copain qui m'a dit que lui, ça ne le dérange vraiment pas de ne pas travailler.
et de rester à la maison, de faire à manger, de nettoyer, de s'occuper du, d'emmener les enfants à l'école. Voilà, il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça. Ça existe, mais ce n'est pas la majorité, ce n'est pas la grande majorité. Mais justement, la femme va l'accepter plus facilement par rapport à ses actes. Parce que comme il contribue quand même à certaines choses... Ah oui, non, après, c'est pas rester les pieds en éventail, zapper devant la télé. Moi, je n'ai pas parti. Oui, c'est emmener les enfants à l'école, lorsqu'ils ont ce qu'ils font à manger, etc. Je vais lire quand même les derniers commentaires qu'on a reçus via les réseaux sociaux. Donc, on a Yohan qui dit que pendant des siècles, l'homme a affirmé sa domination, plutôt son utilité dans le couple, grâce au fait qu'il soit le seul pouvoir d'achat. Il a fallu ensuite qu'il accepte que la femme quitte ses fourneaux et ramène elle aussi de l'argent au foyer. Maintenant, les femmes ne sont plus uniquement indépendantes. Elles ont fait des études, elles montrent leur ambition. Certains leur donnent même leur chance à des postes à responsabilité. Donc, il dit que bon, qui dit responsabilité dit salaire élevé, donc il faut l'accepter. Donc, il dit que cela ne fait pas de lui un homme moindre ou moins utile dans le couple. Au contraire, ça laisse le loisir de s'investir financièrement et que la femme puisse aussi mener à bien ses propres projets. Donc voilà, on a eu un avis de Pascal qui dit que ce soit source de conflit dans certains couples, qu'il veut bien comprendre, et même inconsciemment, les hommes sont habitués à assumer et avoir des responsabilités, par conséquent, assumer le couple. Donc c'est vrai que lorsqu'on le retire un peu, c'est comme si c'était une perte de pouvoir. Et Marcus qui dit « Si ma femme touche plus que moi, aucun problème. » Mais certaines femmes rabaissent le conjoint quand elles ont la plus grande part financière du couple. Et ça, c'est dommage. Alors, il dit que... Ce que fera moins d'ailleurs. Voilà. Mmh. Donc, et Anthony, lui qui va franchement et qui dit que moi, je suis pour que madame gagne ses sous, qu'importe qu'elle en gagne plus, mais je ne veux pas de fille sans TVA. Alors, par TVA, il entend par là travail, voiture, appartement. Donc, là, il est un peu plus précis dans ses choix. Alors, après qu'elle gagne plus, il n'y a pas de remarque malsaine d'un côté comme de l'autre. S'il n'y a pas de remarque malsaine, donc pour lui, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est vrai que dans, effectivement, une génération un peu plus... la jeune génération, en fait, c'est vrai que certains, mais vraiment certains, vont dire que ça ne me dérange pas. Et il y a Anthony aussi qui termine en disant que lui, en fait, ce qu'il veut, c'est de ne pas avoir une femme fainéante chez lui. Donc, qu'elle gagne plus ou qu'elle gagne moins, c'est à partir du moment que ça lui convient, lui. Voilà. Donc, et vice-versa. Donc, ça va. Ouais. Donc, on est sur les quelques dernières minutes d'émission. Catherine, je te laisse le soin de faire ta conclusion et si tu as un message à faire passer... Non, moi, ce que je dis, c'est, comme disait le monsieur tout à l'heure au téléphone, c'est dès le départ, quand on entre en couple, faire des concessions et les respecter surtout, hein, parce que c'est pas faire des concessions et puis au bout de quelques années, ça dérape. C'est faire des concessions, mettre un compte conjoint, comme il dit, et ça permet de faciliter la tâche à tout le monde et de vivre un petit peu plus sainement. Quoi. D'accord. Pas de manifestation dans ton entourage que tu souhaites inviter les gens, organiser, etc. Un message particulier à faire passer? Non, rien, non, ça va? Non. OK. Olivier? Ben, écoute... Pour l'avoir un petit peu vécu, je sais que en tant qu'homme, ce n'est pas facile. Donc, j'invite tous les hommes à pouvoir l'accepter. Et s'ils n'arrivent pas, en discuter autour d'eux. Ça fait du bien d'en parler, d'avoir les avis des autres. Et puis, de discuter aussi beaucoup, comme vient de dire Catherine. Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être en discuter uniquement dans le coup, puisque le regard des autres fait qu'on est dans une société où l'homme doit forcément... Non, mais quand je dis en discuter, pas forcément... Non, mais c'est bien de discuter aussi avec des gens d'expérience. Pas forcément des gens de notre âge ou de notre génération, mais avec des gens d'expérience qui peuvent nous éclairer quelquefois. Voilà. Quand je dis en discuter, tu sais, pas multiplier les personnes, les confidents, mais au moins une personne à qui on est sûr de confier quelque chose et surtout d'avoir quelque chose en retour, une solution. Sûrement pas un macho. Donc, merci beaucoup. Merci à l'équipe qui permet effectivement à la réalisation de l'émission du micro-trottoir. Merci à vous, téléspectateurs, de toujours suivre l'émission. Et je vous rappelle que l'émission, c'est les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois. Donc,
voilà, merci à vous. Et on vous dit rendez-vous dans 2 semaines pour un autre thème. À bientôt.